Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle de l'épisode spécial qui va arriver dans à peu près un an. Il se nommera le jour des héros. Dans cet épisode, Ladybug, Chat Noir, Volpina, Quimby et Carapace, qui sont Marinette, Adrien, Alia, Chloé et Nino, affronteront les plus forts des super-vilains akumatisés. Voici alors mon top 5 des plus forts des super-vilains qui seront sûrement présents dans ce film. En cinquième position, on retrouve Monsieur Pigeon, qui était d'ailleurs très fort. Il apparaît dans l'épisode 6 de la saison 1 de Miraculous. Son pouvoir, qui est de manipuler les pigeons pour se protéger, est vraiment très puissant. Ladybug et Chat Noir ont eu beaucoup de mal et ils se sont même fait emprisonner par des pigeons. Je pense qu'il mérite sa place dans ce top. En quatrième position, l'imposteur. Il n'est certes pas le plus fort des super-vilains, mais sa capacité à être un sosie de Chat Noir peut vraiment tromper les super-héros qui le confondront avec le vrai. De plus, il a aussi le cataclysme et un bâton magique, tout comme Chat Noir. Ça peut vraiment aider les super-vilains. En troisième position, le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir qui est une personne très puissante qui a le pouvoir de rendre des gens en espèce de cavalier noir méchant. Il suffit juste qu'il prononce la phrase par le fer et ces personnes-là sont de son côté. D'ailleurs, il a failli tuer Chat Noir. En deuxième position, on retrouve Volpina, qui est Lilia en akumatisé. Elle a le pouvoir de l'illusion, qui est très utile pour tromper les ennemis. Sa flûte et son costume la rend super classe. Elle mérite aussi sa place dans ce top. Et en première position, le plus fort des super-vilains selon moi, c'est Robustus. Il a fait galérer Ladybug et Chat Noir, et ils allaient même perdre sans l'intervention de Max. C'est la première fois qu'on peut dire que nos deux héros se sont fait battre. Il peut se servir des objets électroniques et les rendre en armes. Il est tellement puissant qu'il refuse même d'obéir au papillon et il décide même de l'attaquer. C'était aussi fini pour lui sans l'aide de Ladybug et Chat Noir. Mais ce qui me fait douter, c'est qu'il a désobéi au papillon et je ne vois pas pourquoi il le rappellerait, bien qu'il ne l'écoutera pas encore une fois. Le papillon aura peut-être des nouveaux super pouvoirs et Robustus ne pourra pas désobéir. C'est possible. Donc voilà, c'est la fin du top. Maintenant, on va parler un peu du film, ce qui va se passer selon moi. Donc je pense que c'est Marinette qui distribuera les Miraculous de l'abeille, renard et carapace à Alia, Chloé et Nino. Mais je pense pas que ça soit elle qui décidera à qui les donner, vu que Chloé, c'est sa pire ennemie. Ça va être un film super intéressant, je pense. Voir plusieurs super-héros en action. Qui sait, le papillon aussi se battra peut-être. Ah oui, si vous vous demandez pourquoi j'ai pas mis d'autres super-vilains très forts, je vous explique. Déjà, le collectionneur, il est très fort, on le sait. C'est le papillon, donc je pense pas qu'il va se re-akumatiser. Ensuite, OG Matrix, elle est très forte aussi. Mais se déplacer d'écran en écran, ça servira à rien dans ce genre de bataille. Et la marionnettiste qui est Manon, enfin la petite fille là, elle a besoin des anciennes peluches de Ladybug. Chat Noir et Roger Cop, je crois. Et dessinateur pour reprendre ses pouvoirs, donc c'est aussi mort. Après, c'est chacun son avis. Hein. Pour certaines personnes, d'autres super-vilains sont plus forts que ceux que j'ai cités. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Aussi, merci pour les 500 vues pour ma première vidéo. Ça fait super plaisir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!